Les tâches principales, c'est coordonner la recherche et la diffusion de l'information sur l'accessibilité. Il y a aussi une partie service aux entreprises et une partie représentation auprès au sein de l'industrie touristique. Le service conseil aux entreprises, donc, c'est d'aider les gestionnaires dans l'amélioration de leur accessibilité pour les personnes handicapées. Donc, on accompagne les entreprises, que ce soit de la rénovation ou une construction neuve, dans l'aménagement pour les personnes handicapées. Je préfère, j'aime beaucoup l'interaction donc, avec les gestionnaires d'établissements touristiques, l'échange qu'il y a, de faire le suivi des projets aussi, dans le sens un chalet, quand on le fait du début à la fin, mais à la fin, on est contente de la concrétisation du projet, puis du petit bonbon un petit peu qu'on a eu de voir un chalet accessible, par exemple, à 100%, ben, on est fiers un petit peu du travail. On est toujours bien reçus parce que les gens qui veulent se faire évaluer, c'est des gens qui le désirent, qui le souhaitent, qui veulent recevoir cette clientèle-là. Donc, on est vraiment... on a un très bon accueil des gestionnaires touristiques quand on part en évaluation sur le terrain. Les gens sont contents de nous voir, puis on a un bel accueil. Ce qui est intéressant dans la gestion d'équipe, c'est d'avoir un avis des autres, dans le sens... moi, je donne du travail à effectuer, par exemple, à des personnes, puis elles ont un regard autre que le mien, donc elles apportent leur petite touche de sel auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. L'inconvénient, c'est un petit peu le... On sait que quand on va former quelqu'un au début dans la gestion d'équipe, elle va avoir beaucoup plus de temps à réaliser ce que nous, on a l'habitude de réaliser en peu de temps. Elle va mettre plus de temps, donc c'est quelque chose d'adaptation à se dire, ben, il faut que la personne elle assimile, puis c'est normal. Les qualités, il faut aimer interagir avec les gestionnaires d'établissements touristiques parce qu'on est quand même beaucoup en relation avec eux par téléphone, par courriel, avoir une bonne relation client, j'ai envie de dire. Il faut aussi savoir bien gérer son temps puis la planification parce que quand on part en évaluation 2-3 semaines sur le terrain, ben, on a tout un itinéraire à créer, donc être bien organisé. Et aimer ça, planifier aussi, être dans sa planification. Il y a aussi savoir être autonome aussi, parce qu'on est une petite équipe, donc comme on est 10 à peu près, en fonction des moments, savoir être autonome, prendre des initiatives et se faire confiance à soi-même. Je pense que chaque expérience, il faut arriver à tirer le positif, à dire, ben, ok, je fais ça à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça peut m'apporter, puis qu'est-ce que j'ai à en retirer. Je pense que c'est important, que ce soit dans les stages, dans les travails étudiants ou expérience professionnelle.